Et bonjour à tous et à toutes after, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur donc Electrical Age. Et donc on se retrouve, alors j'ai cherché après du tin, mais c'était compliqué parce que je n'en trouve absolument pas. Si vous avez des petites idées où se trouve du tin, dites-le moi. Du coup je vais passer par une autre alternative, alors je vais récupérer ça. Ça pousse pas, je sais pas comment ça se fait que ça ne pousse pas. Du coup, oui, j'ai compris pourquoi ça fonctionnait pas, enfin, grâce à vos commentaires, donc merci à vous. Tout simplement parce que je n'avais plus de niveau sur moi, et vu que ça consomme un peu d'expérience, hop, regardez, hop, je suis niveau 26, mais avec moins d'expérience. C'est pour ça que ça ne fonctionnait plus, et moi, étant stupide, je n'ai pas relevé ce détail. Par contre, je devrais avoir un peu plus de Berry Bush, enfin un truc du style. Donc c'est que ça doit tomber être ici, ok, et ça veut pas, tout simplement parce que ça bug. Ça c'est une Tinner Berry Bush, et ça c'est une Copper. Ah merde, et ça c'est du Copper. Ah non, je pensais vraiment que c'était du Tin. On va voir ce que ça va donner, mais ok. Et ça donne de la Copper Nugget, ce qui donne, je ne sais pas, une Copper Nugget. Ça vous fait être que trop faux, ok, d'accord. Alors oui, il y a du copper, je pensais que c'était vraiment du tin, oh mince, là je suis un peu déçu. Du coup, bon, ça c'est un peu poussé, là ça a poussé totalement, c'est cool. Ici je vais juste planter peut-être, alors juste ça, si je vais planter le tin ici, on peut mettre ça. Je sais pas dans quelles conditions le tin il pousse. Alors il y a peut-être un arrosoir, donc je vais regarder arrosoir. Arrosoir. Je vais mettre. On va voir ce qu'il y a. Alors attendez, hop, voilà, c'est bon. Top, parce que je sais qu'il y a un truc qui permet de faire pousser peut-être les berry bush. Donc ça c'est du copper, ok. Et il faut vraiment que je récupère du tin. Donc si vous avez quelques informations à ce niveau là comment je peux obtenir du tin, ce serait vachement cool de me le dire en commentaire, comme vous avez fait pour les autres choses, pour tout ce que vous m'avez déjà dit. Et dans cet épisode du coup, vu que je trouve pas de tin et j'attends vos commentaires, donc directement on va aller faire une petite salle d'enchantement. Et alors je pense qu'on va la faire légèrement par là, soit par ici, donc comme ça, soit par ici, soit on la fera soit par ici, soit on descendra et on la fera un peu plus loin. Un petit peu plus loin, écoutez, on a de la place, alors le milieu il est là, on peut déjà avancer jusqu'ici, et là je vais peut-être le ravancer encore, alors je vais regarder pour des tanks par contre, regarder un petit peu le craft, si je peux déjà en crafter dans cet épisode ce serait cool. Il faut de l'obsidienne et des vitres, donc je vais regarder si j'ai un peu d'obsidienne, si pas je préparerai un petit peu, parce que je sais qu'on peut faire aussi pas mal de choses avec de l'obsidienne, donc ça va être vachement cool. Hop, il me faut de l'énergie, hop, je vais mettre celle-là. Ok, comme ça je peux directement le rééquiper. Hop. Je vais regarder si j'ai de l'obsidienne, c'est vrai. Hop, là il n'y en a pas, là il n'y en a pas. Ouais, j'en ai d'ailleurs des aluminiums. J'ai des gold aussi qui font donc des trucs de gold. Donc avec ça je peux avoir des pépites d'or. Hop, voilà. Là j'ai 7 nuggets qu'il faut. Alors attendez. Pour avoir un truc, c'est 9, je pense qu'il faut. Alors, attendez, hop. Ouais, pour avoir du copper, c'est 9. C'est pas ultra intéressant non plus. Mais voilà, j'ai pas de tin, toujours pas de tin. J'arrive pas à en trouver, donc voilà, j'attends vos commentaires. Et sinon, du coup, on est parti pour autre chose. Je vais ramasser et préparer un petit peu tout le matos qu'il me faut, de l'obsidienne, etc. Et on commence la salle à enchantement directement. Je pense même que j'ai déjà la table d'enchant. Allez, à de suite. Ok, donc c'est fait, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Eh oui, les amis. Alors, j'en ai que 15 pour l'instant. On va essayer peut-être d'en faire
qu'il m'en reste assez. Trop, non. Trop, tant pis, j'en ferai que deux. Je voulais en faire un peu plus. Il m'en manque une pour. Parce que je dois faire ma. Comment ça s'appelle? Allez. Ma table d'enchant. Donc là, j'ai 4 tanks. Voilà. J'ai 4 tanks et je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. On est toujours sur les usines, mais maintenant ce sera comme ça. On fera pas des sujets spéciaux. On continuera à chaque fois l'aventure. C'est ce qu'il faut. Il faut que l'aventure continue à chaque fois. Donc, on la continuera comme ça. Donc, regardez. Donc là, il y a des tanks. Je vais voir si, par exemple, je peux mettre mon niveau dedans. Non, je peux pas. Tout simplement parce que c'est avec des sauts qu'il faut faire ça. Alors là, il y a 16 000 MB de libre. Et les sauts, je sais pas combien ça prend. En tout cas, ça doit prendre pas mal. Et j'ai toujours ce problème en fait de thune. Ça ne pousse pas. Depuis tout à l'heure, je fais des trucs et ça ne pousse pas. Alors à mon avis, ça doit être dans la lune. Dans le noir que ça pousse, ou je sais absolument pas, il faudrait que je regarde les propriétés. Sinon, si vous avez d'autres idées sur ce modpack Tech World 2, vous pouvez me le dire en commentaire. Sinon, j'avais regardé un petit peu sur internet et il y avait apparemment une machine avec un extracteur. Alors, je vais regarder extracteur. Alors c'est extracteur, ok. Et comment on crée ça? Ok, et à mon avis ça doit... je sais pas ce que ça doit faire, mais... je sais pas ce que ça doit faire, ça. Ça doit, à mon avis... Enfin, il y avait un truc genre avec les seaux de lave, comme quoi ça lui produisait tant de copper, etc. Du coup, c'est pas grave, j'essaierai de regarder vos commentaires, et puis d'après ça, je ferai... Enfin, j'envisagerai. Alors, normalement, on devrait avoir du... voilà, de la canne à sucre. J'en ai peut-être pas énormément, en fait. J'ai pas de table. J'ai pas déjà une table, moi. Bon, c'est pas grave. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va... Hop, faire ça. On va donc... mettre ça. Je pensais vraiment avoir fait déjà une table, mais non, en fait, pas du tout. Je me souviens maintenant. On va faire ça. Il nous faut donc du cuir. Hop. Et comme ça, on va envisager. Alors, hop, du cuir. On devrait en avoir. Bah, on devrait en avoir du cuir. J'ai déjà tué pas mal de vaches pourtant. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre du coup. Hop, ça. Et je vais aller les tuer. Hop, let's go, on va aller tuer toutes ces petites vaches. Ah oui, mais j'ai plus d'énergie. Oh, c'est chiant ce truc, il n'y a pas assez d'énergie, il faut tout le temps attendre et tout. Ah là 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 là. Donc, comme vous avez pu voir, j'ai fait le F7. En fait, le F7, comme je vous avais déjà expliqué, ça permet que vous puissiez voir les zones spawnables en fait. Les zones spawnables en... Donc là, tout ce qui est jaune, c'est pendant la nuit, donc ça spawnera pendant la nuit. Et tout ce qui est rouge, c'est que ça peut spawner maintenant devant vous, en fait. C'est ça le truc. Donc là, c'est jaune, ça spawnera devant la nuit, logique, puisque pendant la nuit, je n'ai pas bien éclairé, donc logique. Je vais m'amuser à éclairer peut-être plus tard, mais ça laisse toujours une petite difficulté, les monstres, c'est cool. Allez, let's go maintenant, on passe à l'abattage. Hop, voilà. Courez si vous le pouvez. Hop, hop, hop. En plus de ça, on aura de la bouffe. Hop, hop. Regardez combien j'ai de cuir déjà. Hop, je vais mettre le cuir là, je vais mettre ça là. Je pensais vraiment avoir déjà tué des vaches et avoir du cuir, etc. En avoir en masse, histoire de... pas devoir tuer toutes mes vaches, mais apparemment j'ai pas trop le choix. Donc je dois faire attention aux bébés, mais bon, les bébés, y a pas de problème. Ça deviendra grand, et puis comme ça, ça nous fera des trucs. Il nous faut genre un stack, un truc du style. Voilà. Arrête de courir, toi, je vais tuer tes enfants sinon. Hop, voilà, donc ça c'est fait, j'en ai 23.
Ok. Là, j'en ai 25. Hop, hop, hop. Ça nous fait presque un stack de bouffe, ça, c'est excellent. Et voilà, j'en ai 34 apparemment. Ouf, j'ai peu de bouffe. Hop. Et voilà, il me semblait, vu que j'ai de la bouffe comme ça, normalement je devrais avoir de la nourriture normale. Enfin, je devrais avoir du cuir. Bon, c'est pas grave. Du coup, on en a 36. On va pouvoir faire quand même pas mal de livres déjà. Je sais pas combien de livres on va pouvoir faire, mais on va pouvoir faire pas mal de bibliothèques du coup. Enfin, déjà, genre 5, 6, je pense. C'est combien de stacks qu'il faut? Ah, je sais plus, je pense que c'est un stack de cuir et trois stacks de papier. Hop, voilà, ça c'est bon. Et je vais chercher la canne à sucre qui me reste ici. Ici, il me reste aucune canne à sucre. Ok, très bien. Hop, on retourne ici. Du coup, il m'en reste pas du tout non plus. Hop, je fais ça comme ça. Ça me fait 6 en plus. Ici, il y en a que je vais rechercher. Donc, voilà, comme ça, c'est bon. Il n'en a pas tombé. Ok. Et voilà. Donc ça c'est bon, 36, il n'y en a pas de tombé normalement. Du coup, on va se faire ça. Et après, on va aller faire la petite pièce qu'il nous faut faire. À vrai dire, j'ai pas beaucoup de temps là pour l'instant à préparer ces épisodes. C'est pour ça que cet épisode est peut-être un peu plus light. Néanmoins, j'espère qu'il vous plaira. Donc vous pouvez toujours peut-être mettre un petit like, ça fait plaisir. Mais sinon, voilà, il n'est pas aussi préparé que... Enfin, celui, le dernier par exemple. Même si le dernier n'était pas super préparé non plus. Enfin, il était travaillé, mais pas du style, j'avais pas passé 2 jours dessus, quoi. Ou alors. Alors attendez, oui, j'avais vu bien. J'avais pas passé. Enfin, j'avais pas fait énormément de choses. J'avais quand même fait une usine, mais voilà. J'aurais voulu faire plus. J'aimerais bien faire des gros épisodes assez concis. Enfin, assez bons. Et j'y arrive pas pour l'instant, donc c'est comme ça. Hop, néanmoins, vous pouvez laisser quand même un petit pouce bleu, ça me fait continuer. J'attends donc mes jours un peu de vacances impatiemment, comme ça je pourrais vous faire des gros épisodes, même si pendant les vacances je travaille pour pouvoir me PC, m'acheter un nouveau PC. Même si, bon, là ce sera plus pour le deuxième projet que je travaille. Ce sera quand même pour vous, puisque. Enfin, pour moi. À proprement parler, mais pour vous au niveau des vidéos, puisque je travaille justement ces 2 semaines de vacances, j'ai 2 semaines de vacances et je travaille, génial, pour pouvoir m'acheter un nouveau matos, enfin 3-4 trucs, histoire de vous faire des nouvelles vidéos sur différents types de jeux. Vous allez voir, ce sera, enfin vous verrez un peu plus tard, je préfère pas vous spoiler, histoire de vous garder la surprise, vous verrez dans un récap. Il me faut du bois, hop, voilà. J'avais besoin un peu de bois. Maintenant ça. Ok. Mince. Hop. Hop. Et ici, 11, 11. J'ai combien de livres? Je vais pouvoir en faire 10 des bibliothèques. J'étais presque précis. Et maintenant, on est parti. On va se faire un truc peut-être en bas. De l'autre côté, ça peut le faire. Pourquoi pas? Pas besoin de beaucoup de place en plus pour une bibliothèque. Allez, j'ai besoin encore d'une petite place. Rapide. Hop, 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 hop. Juste parce que j'aimerais bien faire ça beau en fait. Donc, hop, hop. Voilà, on va poser donc ça au milieu. On va dire que le milieu c'est là. Du coup, je vais casser un petit peu par là. Hop, 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 hop. Voilà, comme ça. Il me faut donc ce soit par là et par là. Et voilà, on va pouvoir placer nos premières bibliothèques. 3, 3. Voilà. Je sais pas combien déjà on peut avoir. Avoir beaucoup déjà, c'est cool. Je vais déjà enchanter un petit peu. Hop. Solidité 3 et toucher de soi. Ok,
cool ça. Du coup, on va placer peut-être des lumières. Il me faudrait des bâtons et il me faudrait du charbon que je n'ai plus. Hop, vous voyez, là, on va plus pouvoir l'utiliser. Bah, je vais essayer de vous montrer ça. Comme ça, vous verrez un petit peu si ça peut vous dépanner. Moi, ça m'a dépanné, merci à vous. Donc, si ça peut vous dépanner. Hop. Là, je peux plus le prendre parce que je n'ai plus d'XP. Donc, voilà, tout simplement. On va mettre ça. Et alors, maintenant, on va remplir un petit peu. Alors, je vais mettre quelque chose de cool. Non, je vais faire avec ça. Ça faudrait que je répare aussi. Il me faudrait de la pierre blanche. Il me faudrait un petit peu d'XP aussi. Parce que j'ai vraiment plus rien là par contre. Hop, ça j'ai pas besoin. Ok, c'est bon. Je vais changer ça avec ça. Comme ça, c'est bon. Ça, je vais le faire remplir. Hop, vous voyez, donc comme ça, on a de l'XP. Ça nous donne. Enfin, ça nous permet. Ah, mais oui, j'avais déjà fait ça là. C'est vrai. Oh, ici, c'est nul, pas besoin. Ici, ce côté-ci, je le garderai pour plus tard. Puisque on va quand même continuer notre sous-sol. Notre sous-sol, ça va être notre principal. Bah, ça va être là où on va mettre toutes les usines, en somme. Donc, ça va être cool, vous allez voir. Parce que je vais essayer de créer quelque chose de beau. Et où vous pourrez voir la progression, entre guillemets. Hop, 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 et hop, voilà. Maintenant, il nous faut de la pierre blanche, parce que j'ai pas envie de mettre tout le temps de la pierre normale. Hop, je peux mettre celle-là, et je vais prendre un petit peu de pierre blanche. Qui est très très belle, en somme. Et on va mettre également du vert. Alors le vert, tap 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 tap. Regardez, on va faire ça comme ça. Vous allez voir, ça va être cool, ça va être cool. Le verre, il est là. Il m'en reste que 6, c'est dommage. Parce que ça aurait été utile d'en avoir un peu plus, en fait. C'est pas grave. Donc, on va faire ça, genre comme ça. Comme ça. Comme ça, comme ça. Et en fait, on va les mettre également comme ça. Et les bibliothèques, on fera que ici, on les montrera, on en mettra 15 du coup. Mais je pense qu'avec 15, on peut avoir un niveau 30 facilement. Du coup, je fais ça et je vous retrouve de suite. Comme ça, on finit là-dessus. Et on se retrouve. Et oui, j'ai fini. J'ai été récolter un peu de enfin, beaucoup de sable. Et j'ai fait des vitres. Parce qu'il m'en fallait. J'ai un peu changé la déco vite fait. Mais voyez, comme ça, ça fait stylé. Ça fait assez stylé la. Ouais, ça fait assez classe, c'est cool. La présentation, entre guillemets, de la table d'enchant. Ça fait classe. J'attends d'avoir de quoi mettre un troisième. Peut-être en haut de bibliothèque, une troisième. Et mettre un peu ici. Et après, je ferai les murs, donc sûrement pour le prochain épisode. Sûrement pour le prochain épisode. Et ça n'a toujours pas poussé, malgré que ça fait bien 15 minutes que je suis en train. Qu'il y a eu. Enfin, l'ellipse, le temps d'aller chercher le sable, etc. Du coup, ça n'a toujours pas poussé. Mais du coup, c'est cool, regardez. Ça fait donc ici, il y a un espace d'XP. Et là-bas, il y a un espace pour s'enchanter. Je mettrai peut-être aussi des enclus ou un truc du style, histoire que ça fasse un peu stylé. Qu'on puisse peut-être fusionner quelques trucs. Je mettrai. Bah tiens, je vais mettre un coffre. Ici. Mais donc voilà. Voilà, voilà. Merci à tous du coup d'avoir suivi cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vais prendre directement le screen. Bam! Et voilà, merci à tous du coup. Et encore une fois, merci d'être là. Et je vous invite à me suivre sur Twitter, sur YouTube et à mettre un petit pouce bleu. Merci à tous et à très bientôt.